Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Honkai Impact. Comme d'habitude, avant de commencer, le petit pouce bleu de soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je stream le lundi, le mardi et le jeudi sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Le lundi, du Grounded. En multi, alors il est bientôt, on a bientôt fini. Ce soir, il nous reste juste le combat final à faire. Et ensuite, on enchaînera sur un autre jeu. Et on verra la semaine prochaine qu'est-ce qu'on commence. Le mardi, du Honkai Impact. En début de soirée, en deuxième partie de soirée, en attendant que le launcher officiel de Punishing Greyraven, alias PGR, sorte, on fera du Maneater. Le prédateur ultime, chasseur ou chassé, on verra ça. Et le jeudi du jeu d'horreur, là en ce moment, j'ai commencé At Dead of Night, alias l'hôtel de la folie. Hein. N'hésitez pas à venir me voir, à me faire défoncer par tout ce qui bouge. Hein. Voilà. Allez, alors, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Moi, je pense qu'ils vont encore nous foutre un niveau pour mettre en valeur l'une des deux nouvelles RPR. Donc, à savoir du feu ou de la foudre. Je serais partant plutôt pour de la foudre. Parce que le feu, on en a eu il n'y a pas longtemps. C'est d'ailleurs le feu qui m'a permis de passer en Nirvana. Donc ça serait bien qu'on puisse avoir autre chose que du feu ou de la brûlure. Que de la foudre. Ça serait bien. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Oh putain, du brûlé. Non mais c'est pas possible, Yoru. Pas possible. Et vous forcez avec le feu, ça c'est saoulant. Donc du brûlure, du psy, du bio. De la foudre, on pourra peut-être sortir la nouvelle Herschère. Du psy et du bio. Et ici, on a El Benares. El Benaresu. Qu'est-ce qui fait le Benaresu? Il fait pas grand-chose. Je crois qu'il fait pas grand-chose, lui. Juste de temps en temps, il s'envole. Ce qui fait que quand il s'envole, ben on peut pas taper comme il faut. Alors ici, le pilier du dragon. Alors ok, donc là, le mieux, c'est d'avoir une unité qui pack. Ici, ok, bon, de toute façon, il faut juste brûler. Hein. La compétence développée. Appliquer un verrouillage temporel sur les ennemis et faites leur subir 30% de dégâts totaux en plus pendant 5 secondes. Elle a de la foudre, ramasser une orbe de foudre, ok. Donc là, c'est du bio. Et du bio, bah ben, on verra. Bon, allez. Allez, allez, allez. On va y aller. Qu'est-ce qu'on va prendre d'ailleurs? Est-ce que on ne tenterait pas de servir de la SDF suprême? De la nullité absolue. Hein? On va voir ce que ça vaut un peu. Tiens. Les dégâts sont augmentés de 35%. Bon, allez, on va partir sur ça. On va tester. On va tester. Et on va voir ce qu'elle a proposé. Miss Nullité. Allez. Hop. Tac. Hop. Hop.
Allez. Et je crois que j'ai été trop long, j'ai perdu tous les boosts de... Ouais, 595. Allez. Allez. On prend. Je sais même pas si elle... elle brûle. Je sais même pas si elle fait de la brûle. What? Okay, comme d'habitude, on appuie. Ça fait ce que ça veut. J'avais appuyé sur la air chair. Mais a priori c'est d'aller trop vite. Ça, on va faire ça. C'était le dernier, il me semble. Donc c'était le dernier étage. Non, c'est l'étage 4. Ultime. Aïe aïe aïe. C'est mal barré. De toute façon c'est fini mais bon. Oh putain il est pas, mort. Bon sinon alors là vous pouvez prendre la configuration recommandée bien sûr. Hein. Moi ce que je vous conseille ça va être pas mal si vous galérez un petit peu, si vous êtes en manque de dégâts. Essayez d'avoir des unités qui pack. Comme la Rita de feu. Et essayez d'avoir toujours les mobs en face, le pilier de flamme. Comme ça, les mobs auront tout le temps les 40%, c'est 40%, 40% de dégâts supplémentaires et 45% de dégâts de brûlure en plus. Alors ici... j'ai bien envie. Elles sont où? Elles sont par là. Non? Oui, elles sont là. J'ai bien envie de, tester. Donc on prend ça. On va prendre la configuration recommandée avec juste. Non, Eden a été là. Eden et. Allez là. On va voir ce que ça donne comme ça. Mais les gars. Alors comme ça en même temps ça nous apprend un petit peu à la jouer. はい。レリア警戒、動的射撃します。武装最高、手動装置開始、コンクレートリート、手動砕けつり、見たことはありますか？
Ah, j'ai raté. Putain! Pourquoi ça rate comme ça? Ça m'énerve. Ah, le QTU s'est dégagé. Ah, le QTU s'est dégagé, je venais de le refaire proc. Alors, let's go. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça s'est mêlé. Je crois que ça marche pas comme ça. Donc là, on peut monter que jusqu'à 2. J'attaque. Il n'y a plus personne. Super. Bien sûr, là, je ramasse pas les blue dish, mais n'hésitez clairement pas à les ramasser. J'ai oublié. Désolé. Hop, voilà. Je savais que j'avais oublié de faire quelque chose. Et c'était de mettre le téléphone en silencieux. Toujours, toujours oublier quelque chose. Sinon, ce n'est pas marrant. Hein. Vous le savez. Hein. Alors. Hop. Tu veux m'en servir? Une mauvaise impression sur les personnages. Allez, hop. Allez. Bon, bien sûr, vous pouvez très bien vous servir de vos boots ici. Enfin, ce sera trop plus rapide. Au final, je sais même pas si je vais faire un niveau là. Best timing.
Je sais clairement pas si je vais faire un niveau. J'espère que je vais faire un niveau quand même, mais bon. Vu le temps qu'il reste, ça va être dur. Ça va être très dur. Ouais, bon, c'est bon, c'est mort. On va pas servir derrière dessus. Ça me fait halluciner le manque de DPS, quoi. Un seul problème, c'est recher, c'est pas possible. Hein. Ouais, Mobius. On prend Mobius. Toi, oh, dégage. Elle est où? Pichel. Et Rosemary déchue. Voilà, on prend une équipe sûre, on prend une équipe qui gagne. On prend une équipe solide. Allez. Désolé pour le petit contre-temps, mais bon. Là, on veut. Je voulais tester, et au final, j'aurais pas dit. J'aurais dû m'abstenir de tester. J'aurais clairement dû m'abstenir. Hop. Allez, on peut claquer l'ultime. Hop. Ah, clairement, là, c'est plus le même jeu, là. Elle me tue, là. Eh, il a voulu mon... Il a voulu mon joli fessier. Il est fou le mec. On touche pas mon bus. Touche pas mon bus si tu veux vivre. Je suis en QTE, je me fais défoncer. Ça me tue ça. On devrait avoir une petite frame d'invincibilité quand on est en QTE comme ça. Alors je demande pas 15 secondes, mais peut-être une demi-seconde. J'avais vu une bouliche. C'est pas grave. Allez, on continue. Ah, déjà, on est largement plus rapide. J'aimerais bien avoir une petite orbe de soin, s'il vous plaît. Oh putain, what the... What? Oh, je me suis fait... Oh, je me suis fait saouler, il me reste 2 PV, là. Il me reste... Non! What the fuck? Non, pourquoi je suis mort? Y'a rien qui... Ah, putain, y'a rien qui m'a touché! What? What? Oui.
ça m'a touché, mais... de temps. Oh non, de Zeus. C'est pas possible de pas avoir de chance comme ça. Les packs de points de compétence, qu'est-ce qu'il foutait là-bas? J'avais de l'avance. Mais ça, c'était avant. Je vais pas finir. Je vais encore pas finir le niveau. Ça a été deux coups. Merci le jeu, merci pour ces dégâts imaginaires, merci pour tout. Honnêtement le jeu, merci. Là c'est en train de me faire. Là c'est bien en train de me gonfler. Là. On fait le QTE, je suis en animation de QTE, on me fait oublier. Ça devrait pas être possible. J'avais de l'avance. Et là, putain, j'ai couru un ordre de soin. Pas chouette. C'est ce chien là qui m'a défoncé tout à l'heure. C'est ce chien de bestiaux qui m'a ouvert. Ouais. Putain, la perte de temps. Là, je suis en retard. Ah, il est bon, du moment que je perds pas trop de PV ici, ça va, ça devrait aller. Un petit peu les ultimes. Désolé pour la lenteur, mais là malheureusement c'est indépendant de la volonté. C'est encore. Je vois rien, je sais pas. La caméra. La caméra sous terre.
la caméra, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête, arrête de chuter. La caméra qui se re-règle directement derrière le personnage. Alors que d'habitude, elle ne le fait pas. C'est un truc de fou. Non, putain, non, non. Putain. Pourquoi? Pourquoi, bordel de merde? Putain de jeu de merde. Explique-moi. Pourquoi tu me changes de cible H24? J'en suis en train d'en taper un. Et ça me change de cible. J'ai l'autre à côté. Et j'ai le boss à côté, il va me pousser un autre. Ce jeu n'a aucun respect. Ce jeu n'a strictement aucun respect. Au lieu de sortir des animations à la Michael Bay, ça serait bien qu'ils corrigent leur jeu. Ah, ça va encore changer de cible. Ça va encore changer de cible, nom de Dieu! Putain, mais il est en face. Pourquoi tu vas choisir une autre cible? Putain, bordel de merde. Je veux bien que Lyono m'explique leur logique. À part qu'il n'y en a pas, je veux bien qu'on m'explique. Pourquoi le mob qui a un centimètre de nous, notre personnage va fonctionner à 50 km? Avec l'ultime. Et c'est vraiment foulant. Hein. C'est vraiment foulant. Le mob, il est ici. On se trouve ici. Il va focus celui là-bas. Non, mais c'est vraiment une blague. Alors que c'est configuré pour choisir la cible la plus proche. Si on arrive à me prouver par A plus B que la cible qui est ici, en se trouvant ici, est plus loin que la cible qui est ici, je veux bien qu'on me prouve. Je veux bien que Yo-Yo me prouve comment c'est possible. Bon, allez, ici, on va repartir avec la nudité suprême. Allez. J'espère que je ne vais pas perdre trop de temps, parce que là, c'est en train de... Ouais, on l'ultime. On l'ultime. On cutte le. Hop. Les mobs, et les mobs, et mais il est venu des ponts. What? J'ai toujours internet, oui, j'ai toujours internet. C'est une blague. C'est une blague. Putain, mais c'est... Je sais pas ce qu'ils ont dans la tronche, les développeurs. C'est pas possible d'être aussi débile.
Allez. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Aïe. Combien? Vas-y, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Combien? Je suis de merde. Je suis dessus, je marche pas dessus. On est dessus, l'orbe, il se passe. Plus on avance, plus je régresse en fait. C'est pas possible. Allez. Orbes, hein. ça serait bien que je sois un petit peu dedans. Merci. Et c'est pas le boss de fin. C'est pas le boss de fin. Là, vraiment, ce qui manque, alors là, je parle pas pour le niveau, là, c'est vraiment ce qui manque, c'est un petit récapitulatif des dégâts. Comme on a dans l'arène commémorative. Ils peuvent l'implanter. C'est pas compliqué. Allez, Benares. Oh ! Bah, tiens ! Le trio des Yul ! Le trio des SDF. Alors, est-ce que j'ai fait une partie avec ? Oui. J'ai fait une partie avec. Allez. On va partir comme ça.
On va faire ça et ça, histoire de booster un petit peu le... histoire de booster un petit peu le tout. Alors techniquement, j'ai compris comment ça marchait. On va voir. Bon, j'ai pas eu la totalité. Hop. Hop. Et j'ai plus de buff sur moi. Non, j'aurais pas dû finir la deuxième charge. Donc là c'est hop. Tac. Là, je suis l'ultime, mais j'aurais pas dû le faire. J'ai pas le. J'ai pas fait le l'arrêt du temps spécial, donc je sais pas quoi. Mais heureusement qu'elles font des dégâts un petit peu en avance. Heureusement qu'elles font des dégâts en avance. Parce que c'est pas avec l'ultime qu'elles font des dégâts ici. Je continuerai à tester, mais bon. Honnêtement, ça m'énerve plus qu'autre chose. Ça m'énerve de jouer les trois. Voilà. Depuis le début que j'ai fait les tests sur la superstructure il y a quelques jours, on pouvait enchaîner les ultimes. On pouvait faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Là, j'avais pas assez de points de compétence. Ben, qu'est-ce que vous voulez après en même temps hein, jouer des unités qu'on en a rien à foutre au final, c'est pas amusant. Pour moi, les trolls sont pas amusantes. Mais bon. Allez, sur ce, les premiers niveaux. Bon, là, clairement, pour les trois premiers, je vous conseille clairement pas de prendre les nouvelles archers. Je vous conseille pas de prendre la SDF ultime ni la Mei. C'est une perte de temps. Allez-y avec la composition recommandée. Ça passera 10 fois mieux. Et ici, bon, bah, on va continuer à essayer, hein, malheureusement. Parce que bon, là, honnêtement, il n'y a pas de difficulté. À part cette sombre merde qui nous défonce. Et l'autre avec son gros marteau, là. Ça, dans ce niveau, c'est la seule difficulté, c'est l'araignée. Et l'autre avec son marteau. Ici, il n'y a pas de difficulté. J'ai réussi à le faire avec la nudité suprême. Et ici, bah, il va falloir malheureusement combo quoi. On va falloir la combo. Et puis c'est tout. Hein. Là, bon, ok, le premier combo, j'ai fail. J'ai fail, j'aurais pas dû refaire la compétence d'arme et aller chercher la deuxième attaque chargée.
Il fallait que je le garde et que je passe directement sur Mei. Mais bon, c'est le problème, c'est qu'au plus le combo il est long, au plus on a de chances de se fail. C'est ça le problème. C'est ça. Mais bon, allez, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, comme d'habitude, dans l'espace commentaire, vous aurez s'il y a une amélioration du score. S'il n'y a pas de notif, s'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.